Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez que mon groupe n'est pas particulièrement connu pour être excessif dans la communication externe, donc c'est une occasion un petit peu unique, j'en suis vraiment ravi. Il m'appartient de faire la dernière présentation. Alors comme les deux autres présentations étaient d'une qualité exceptionnelle, la barre est très très haute, donc je me sens un petit peu stressé pour commencer. Et donc j'ai toujours un indicateur de mesure de performance de mes présentations, je mesure le nombre de bâillements. Et donc je me suis fixé comme objectif que moins de 10 aujourd'hui serait quand même une bonne performance, sachant que l'heure de midi approche d'ici une heure. Voilà, ce que je voudrais faire si vous voulez bien aujourd'hui, c'est commencer par dire un peu ce dont je m'occupe dans l'entreprise, pour que vous compreniez mon angle d'attaque. Deuxièmement, parler un peu de l'entreprise, ce qu'elle fait. Je sais que à Genève, on a beaucoup d'activités autour de la parfumerie et des arômes, mais c'est un métier très particulier. Et comme vous l'avez entendu, je suis depuis 7 ans dans ce groupe. Et il est connu que dans mon entreprise, moins de 10 ans reste un débutant. Donc j'ai le plaisir d'être un débutant et donc d'accueillir toutes les questions de débutants. Je serai ravi de pouvoir y répondre à la fin. Ensuite, j'aimerais vous donner un petit peu un aperçu des grands challenges de l'industrie et puis de vous dire pourquoi Genève est très important pour nous. Les présentations précédentes ont donné d'autres angles. Et Monica a donné l'angle d'une filiale d'un grand groupe international. Je vais vous parler de l'angle du pilotage par un groupe international à partir de Genève sur le monde. Et je terminerai par une petite analyse assez hélicoptère sur ce qui fait que Genève reste pour nous une place très importante dans l'avenir et pourquoi on y investit encore, quels sont les gros avantages et quels sont les avantages qu'on souhaite conserver. Comme Thierry l'a bien expliqué, il y a un certain nombre de menaces et je voudrais m'efforcer de vous faire comprendre les facteurs qui font qu'on continuera dans les 100 prochaines années à investir à Genève comme on l'a fait au cours des 122 dernières années. Voilà un peu l'ambition. Donc je vais commencer, si vous voulez bien, en répondant déjà à des questions qui m'ont été posées pendant le café. Et c'est formidable d'avoir des questions avant sa présentation, et c'est exactement ce que j'aime. Le groupe Firmenich, c'est l'entreprise dans le domaine des parfums et des arômes privés le plus important. Mais de l'autre côté, le groupe le plus important public dans le même secteur est aussi un voisin à Genève. Donc finalement, Genève, c'est la Silicon Valley des parfums et des arômes. Ces deux entreprises réunies ont une très grosse part de marché mondiale. Et c'est ici, à Genève, que le succès de ces entreprises se mijote. Hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi, pour Genève et pour la Suisse, cette industrie du FNF, qui est quand même une industrie qui a environ une vingtaine de milliards de chiffre d'affaires au total, pourquoi cette industrie, non seulement a deux grands représentants ici, mais pourquoi ces deux représentants sont observés, analysés et disséqués dans leur comportement et leurs investissements par l'ensemble des concurrents mondiaux. Alors, notre chiffre d'affaires est de 3,3 milliards, donc à peu près équivalent à celui que Monica nous a expliqué. Il est clair que le chiffre d'affaires que l'entreprise fait en Suisse est minuscule. Dans ces 3,3 milliards, le marché suisse est tout petit. Par contre, la place de la Suisse dans ce qui fait qu'on exporte notre savoir-faire, nos solutions et notre succès est fondamentale. Donc, si vous conservez un chiffre en tête, 3% du chiffre d'affaires en Suisse, mais 40% du savoir, des effectifs et des coûts. Et c'est évidemment, vous voyez bien que ce déséquilibre engendre un certain nombre de nécessités en matière d'investissement, de couverture des risques et je dirais d'attitude générale sur où plaçons-nous les éléments de valeur ajoutée dans l'industrie, dans notre industrie et dans notre entreprise. Alors, juste pour donner une idée de notre activité mondiale, on est à peu près sur une centaine de marchés. Sur ces 100 marchés-là, on a à peu près 63 endroits où nous avons des installations. Hein, le reste, la différence, bien entendu, c'est qu'on travaille aussi avec des distributeurs et des agents. On a une trentaine de sites de production. Alors, chez nous, le terme de production est un peu général. Ce soit des usines qui produisent, ça peut être aussi des entités de stockage ou de dépôt. Mais on a 30 sites de production, plus une dizaine de sites qui ne sont pas de la pure production. On a 4 centres de recherche et développement. Le principal et celui qui est au cœur du réseau, c'est bien sûr à Genève. Et puis aujourd'hui, on a 7000 collaborateurs. On travaille à peu près avec le triple de cet effectif quand on compte tous les partenaires ou les sociétés dans lesquelles on a des participations, que ce soit des sociétés qui nous vendent des matières premières dans lesquelles on a des participations ou des gens avec qui on travaille sur un certain nombre de productions qu'on ne fait pas nous-mêmes. Alors, avant d'attaquer les produits, j'aimerais vous dire un mot sur comment fonctionne notre industrie. Parce que j'avoue que j'ai mis un certain temps à comprendre, et si vous comprenez plus vite que moi, c'est très bien.
j'espère. C'est une industrie qui fonctionne sous la forme d'un concours général pour chaque produit. Chaque produit est unique. Et comment ça se passe? La première étape, c'est un client qui est un client qui fabrique lui-même des produits pour des consommateurs, vient nous voir et dit « j'aimerais avoir un nouveau parfum » ou « j'aimerais avoir un nouvel arôme de fraise pour ma nouvelle gamme de produits laitiers ». Mais il dit la même chose à 5 ou 6 concurrents. Un concours de beauté s'installe. Et donc, nos créateurs se mettent en marche et créent des produits, des arômes ou des parfums qui sont soumis à l'approbation de nos clients. Et celui qui a fait la meilleure proposition gagne. Celui qui gagne, gagne tout. Ceux qui ont concouru et qui ont perdu, perdent tout. Ils perdent leur temps, leur coût, leur talent, etc. Donc c'est un peu comme un consultant, si vous voulez, où vous faites un appel d'offres, et puis il n'y en a qu'un seul qui gagne. Alors évidemment, quand on perd tout, on est assez embêté parce qu'on n'a plus de chiffre d'affaires. Donc un élément clé, c'est combien on gagne de ces concours à chaque fois qu'un client vient nous voir pour nous proposer quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Alors comment est-ce qu'on gagne? On gagne parce qu'on a les créateurs qui sont les plus créatifs, si vous me permettez. Ça veut dire que des gens qui viennent travailler chez nous ou chez nos concurrents, hélas, et qui ont cette capacité à créer le produit unique qui fait que le client dit « c'est celui-là que je veux ». Quand cette sélection est faite, on rentre dans le cycle de production. Mais évidemment, si notre client à nous n'a pas de succès dans le marché avec le produit qui est le nôtre, qu'il a combiné avec d'autres choses, eh bien nous ne vendons rien. Donc vous voyez, il faut gagner le concours, et puis ensuite il faut que notre client ait du succès. Donc on est très intéressé au succès final de notre client. C'est pour ça qu'attirer les meilleurs créateurs, c'est fondamental. Alors comment est-ce qu'on attire les meilleurs créateurs? Parce que ça c'était une question que vous aviez me poser, je suis sûr. On les attire parce qu'ils ont la possibilité de jouer avec une palette d'ingrédients et de molécules qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et pourquoi ils ne la trouvent pas ailleurs? Parce que notre équipe de recherche les a inventés et nous ne les avons pas mis dans le marché. On les a gardés pour nous, pour la création. Donc l'élément fondamental dans notre business, c'est on doit avoir des très bons créateurs et nos créateurs s'appuient sur une palette de couleurs. Imaginez un peintre qui viendrait travailler chez nous parce qu'il y a un rouge que personne d'autre n'a. Donc si on vend une toile, c'est-à-dire un arôme, on ne vend pas une quantité de peinture, on ne vend pas un cadre, on vend une émotion qui est générée par la toile, la peinture, mais cette émotion, elle est quand même faite techniquement par un ensemble d'éléments qui, en grande partie, sont le fruit de notre recherche et puis de notre division ingrédients qui a réussi à trouver un procédé industriel pour fabriquer cet ingrédient unique. Quand on a compris ça, bon, j'ai mis plusieurs années, hein, mais si on a compris ça, on a compris les ressorts fondamentaux de ce business. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on crée? Ben, on crée des parfums. Alors, il y a dans le monde des parfums beaucoup de segmentation. Hein. Il y a le parfum de luxe, c'est celui auquel on pense quand on pense parfum. On pense à ce qu'on va acheter à sa petite amie ou à sa femme pour Noël ou son anniversaire. Mais il y a toute une gamme de parfums et on est dans un monde où on a de plus en plus de parfums qu'on appelle du mastige. On est passé du prestige à l'industrie de masse du parfum. Et donc, vous voyez se développer beaucoup de réseaux, de ventes directes ou des réseaux qui distribuent des parfums qui ne sont pas forcément le très haut de gamme, mais qui, de façon internationale, voient une consommation croissante. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir taper dans tous ces segments. Mais la parfumerie, c'est aussi ça. La parfumerie, c'est aussi ce que vous sentez lorsque vous utilisez un shampoing, un savon, même dans votre dentifrice. Dans votre dentifrice, quand il y a de la menthe, il y a quelqu'un qui a fabriqué de la menthe. Et cette menthe, ce n'est pas des feuilles qu'on a pilées avec un... Voilà, c'est tout un procédé très complexe qui fait que la menthe que vous sentez dans votre dentifrice, eh ben, c'est des gens qui y ont travaillé, des créateurs derrière. Et puis, quand on s'intéresse à la menthe, il y a tellement de sortes de menthe, tellement de combinaisons d'ingrédients de menthe qu'en soi, c'est un art. La menthe, c'est quelque chose de très important dans notre business. Et puis, il y a bien sûr, quand on descend vers, je dirais, les choses de moins en moins luxueuses, on arrive au nettoyant pour le sol. Nettoyant pour le sol, ils ont des parfums dedans. Et fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous observez le comportement des gens dans les supermarchés, et ils ne goûtent pas les yaourts, ils n'essayent pas le nettoyant sur le sol, ils respirent, ils sentent. Et on sait très bien que l'acte d'achat est déclenché par ce qu'on peut sentir, plus que ce qu'on peut goûter, et pour nos clients, c'est fondamental. Donc, la partie parfum dans les produits de grande consommation, c'est ce qui fait plus de 50% de la décision d'achat ou du renouvellement d'achat. Et vous voyez que c'est très important quand notre équipe recherche ou nos créateurs discutent avec nos clients, ils sont complètement dans cette logique de qu'est-ce qui va déclencher la préférence de ce détergent plutôt que celui-là, et la seule façon de décider, c'est en sentant. Ça, c'est la parfumerie. Vous voyez qu'on est loin du Chanel numéro 5 hein, quand on parle de ça, dont nous fournissons d'ailleurs tous les ingrédients à la maison Chanel, mais je ne fais pas plus de publicité que ça.
Il y a une deuxième division qui est tout aussi importante en termes de taille, en termes de profitabilité, en termes de contribution au business, qui est la division des arômes. Cette division des arômes, elle a trois segments. Tout ce qui est sucré, vous en avez la liste ici. Tout ce qui est boisson, très importante. Et tout ce qui est les salés, tout ce qui est les snacks. Et vous savez que dans une grande partie du monde, beaucoup de gens consomment des snacks. Ce n'est pas forcément la partie la plus développée, mais il y a beaucoup de pays où, par exemple, le pouvoir d'achat ne permet pas de faire autre chose que d'acheter un snack aux enfants à 4 heures ou pour le soir. Donc, il y a cette gamme, vous voyez, c'est un portefeuille immense qui a comme avantage que quand certains produits ne marchent pas, d'autres peuvent marcher. Donc, on a un effet de portefeuille qui est très, très important, mais aussi une couverture extrêmement large. Cette couverture est assurée parce qu'au début de la chaîne de valeur, il y a de la création, il y a des ingrédients, il y a des molécules propriétaires, naturelles, synthétiques et autres, qui permettent par leur combinaison de répondre à tous ces besoins. Voilà ce que je voulais vous dire sur les segments et sur les produits. Ah oui, je voulais vous dire aussi que ça couvre à peu près les deux tiers de la population mondiale. Ça veut dire que probablement, entre votre toilette du matin et votre petit déjeuner, vous avez forcément consommé un de ces produits. Pire, un produit de nos concurrents, mais ça, c'est quand ça m'étonnerait quand même de vous, vous n'êtes peut-être pas du tout ce genre-là. Alors, qui sont nos clients? Parce que les produits, c'est bien, les clients, c'est bien aussi, hein, parce qu'il faut les convaincre. Alors, traditionnellement, les grands clients dans cette industrie, ce sont les 120 grandes multinationales qui se sont développées au cours des 30 dernières années un peu partout dans le monde. Les plus grandes, c'est bien sûr Unilever, Nestlé, P&G, mais vous avez aussi PepsiCo, Colgate, etc. Le phénomène qui se développe très fort, c'est que on a l'émergence de beaucoup de clients qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans localement, qui émergent et qui se développent. En particulier dans les pays qui ont un très gros marché domestique. La Chine et l'Inde en particulier. Beaucoup de ces gens qui fabriquent ou des parfums ou des produits alimentaires n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Et alors évidemment, quand vous traitez avec des géants comme Unilever ou quand vous traitez avec un petit client émergent en Chine qui ne fait que du shampoing, qui vend par Internet et qui livre en 24 heures à la porte de ses clients, vous voyez que c'est quand même le grand écart. Ce ne sont pas du tout les mêmes besoins, ce ne sont pas du tout les mêmes conceptions de ce qu'est un parfum. Et bien entendu, la culture locale joue un rôle immense. Donc on est aussi dans un portefeuille de clients qui nous oblige à être extrêmement précis sur le plan culturel, sur le plan des besoins. Et un des facteurs clés de succès dans cette industrie, c'est la capacité à comprendre la culture et les besoins de chacun de ses clients, de ces types de clients. Chaque client a une culture, et c'est faux de dire que deux clients en Chine ont la même culture. La Chine, c'est quasiment un continent. Je prends la Chine comme un exemple parce que c'est le marché qui se diversifie, se complexifie et croît le plus vite en ce moment. Donc vous voyez, on a aussi un portefeuille de clients qui est immense, ce qui fait que quand un gros client marche moins bien, l'autre se compense parce qu'ils se battent sur la part de marché, et que fondamentalement, notre business croît à peu près, notre industrie croît à peu près au rythme de croissance de la consommation mondiale. Il y a trois facteurs qui jouent un rôle important. Un, bien sûr, la croissance de la population. Deux, le taux d'urbanisation. Et puis, bien sûr, les revenus moyens. Tout revenu au-dessus de 5 000 $ par an constitue un revenu qui permet aux gens d'aller acheter ce type de produit-là. En dessous, les gens mangent ce qu'ils ont cultivé. Et quand ils n'ont rien cultivé, ils ne mangent pas. C'est une réalité pour une partie de la population mondiale. Donc, quand on mesure la consommation de produits achetés. Et donc, ces trois facteurs-là conditionnent la croissance dans notre business. Mais fondamentalement, la croissance est à peu près égale à la croissance de la consommation mondiale. Alors, l'entreprise Firmenich a, depuis assez longtemps, très investi dans un domaine qui est devenu essentiel, mais au moment où on a investi, ce n'était pas vraiment considéré comme essentiel. Donc, vous savez que la Convention de Rio en 82 a démarré les discussions autour de développement durable. Bien avant, l'entreprise Firmenich a investi dans un certain nombre de secteurs. Et ces secteurs-là étaient quelque chose de supplémentaire pour donner de la substance à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu un facteur clé de marketing et de vente. Un grand client aujourd'hui qui se tournerait vers un fournisseur de parfums ou d'arômes qui n'a pas développé des investissements en matière de développement durable aurait un gros, gros handicap, pour dire le moins. Donc aujourd'hui, ce sont des facteurs qui jouent un rôle extrêmement important dans la réalité de l'investissement de l'entreprise dans le développement durable, et pas sur l'artifice de la communication sur un développement durable qu'on plaquerait sans avoir une base culturelle. Je vais y revenir, mais en général, on se réfère aux 17 priorités de l'ONU. Donc, on est dans la nutrition, dans l'hygiène et la santé publique,
Bien sûr, la diversité au sein des équipes, à la fois internationale, et j'y reviendrai lorsqu'on discutera de l'importance de la place de Genève, mais aussi dans l'équilibre entre les genres. Évidemment, l'environnement. Un élément très important et croissant, l'approvisionnement responsable. On achète beaucoup de matières premières naturelles à des communautés qui ne sont pas dans des niveaux de confort matériel très élevés. Donc, tout ce qu'on appelle le fair trade, tout ce qu'on appelle la redistribution équilibrée des revenus au sein de ces communautés, en gros, ne pas avoir affaire aux intermédiaires qui prennent toute la valeur ajoutée, ça, c'est un élément extrêmement important qui se développe beaucoup et sur lequel on a quelques succès. Et puis, bien sûr, en matière d'éducation, quand on travaille dans des communautés pour s'approvisionner en vanille, en menthe ou en cardamone, je ne sais quoi, évidemment, on s'assure qu'une partie de la monnaie, de l'argent, pardon, qu'on surpaye, bien entendu, puisqu'on paye un peu plus que si on s'adressait à des intermédiaires, est utilisé dans l'éducation. Et on a des exemples où on a imposé à certaines communautés l'éducation des filles, par exemple, où certaines communautés considéraient que l'éducation des filles n'était pas nécessaire. Donc il y a des endroits où on doit se battre un petit peu en échangeant la qualité des récoltes sur des matières importantes contre des actions qu'on finance. Haïti est un endroit, par exemple, où on a ce genre d'activité, en particulier après les catastrophes naturelles qui les ont dévastées. Alors, je vais parler un petit peu de recherche, parce que une des raisons principales pour lesquelles... j'en parle juste après, excusez-moi. Les objectifs, parce que les principes, c'est bien, mais les objectifs, c'est encore mieux. Les objectifs qu'on s'est fixés pour 2020, c'est de réduire à nouveau nos émissions de CO2 par 20%. Bien sûr, on est sur une croissance, il faut voir une croissance de 4 à 5% par an sur le long terme. Donc, sur cette croissance-là, on réduit de 20% nos émissions de CO2 au total. On va réduire de 25% l'utilisation d'eau. Alors, vous savez qu'en particulier dans les endroits où l'eau propre est rare, c'est un élément extrêmement important. Vous savez qu'une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau propre, et ça, c'est un sujet qui nous touche de très près. Le taux d'émission de déchets aussi de 15%. Dorénavant, dans aucun de nos sites, nous enterrons ou nous nous débarrassons de déchets. On les retraite tous. Et ça aussi, c'est très important. On utilise aussi beaucoup de réfrigérants parce qu'on a beaucoup de zones frigorifiques. Donc, on a zéro réfrigérant qui reste derrière nous, évidemment. Et puis, on est assez proche maintenant d'avoir 100% d'électricité renouvelable. Alors, il y a bien sûr beaucoup de sources, mais en particulier en Suisse, nous n'avons que de l'électricité produite par l'énergie hydraulique. Et ça, c'est l'engagement que l'entreprise a pris sur le long terme. Alors, on pourrait penser que bon, tout ça, c'est bien joli, mais ça peut nuire au business. Non, pas du tout. Fondamentalement, nos grands clients, qui ont leurs propres objectifs, comptent beaucoup sur leurs fournisseurs pour y contribuer. C'est la réalité et c'est un élément de succès de business aujourd'hui. C'était des éléments de bonne volonté dans le passé, c'est devenu presque une condition de croître et d'embellir dans notre activité. Voilà. Alors maintenant, passons un peu à pourquoi Genève. La première chose qu'il faut considérer, c'est que Genève, c'est plusieurs choses. D'abord, toutes nos fonctions siège, toutes nos décisions stratégiques sont à Genève. La deuxième chose, c'est que notre équipe principale de recherche est à Genève. L'équipe de création dont je vous ai parlé au début, la parfumerie est 100%, pas 100%, à 60% à Genève et à peu près 50% pour les arômes. Et puis, il nous reste des sites de production. Et vous vous imaginez bien que les discussions autour de la productivité à Genève, du coût de production à Genève, est une question centrale. Et je voudrais vous expliquer pourquoi nous continuons à investir dans la production à Genève, malgré les coûts dont on a déjà parlé juste avant. Juste un petit zoom sur la répartition des effectifs. Sur nos effectifs d'à peu près 1500 à 1700 à Genève, si on compte ou pas les temporaires et autres, on a à peu près un quart sur les fonctions siège. 14% de cette population, c'est de la recherche. 22% c'est de la création et marketing. Alors dans du B2B, le marketing, c'est pas toujours facile à comprendre, mais en gros, le marketing, c'est la capacité à comprendre la culture et les besoins de nos clients. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et la création, c'est l'art et la manière de faire un parfum ou un arôme qui soit exactement dans la cible de nos clients. Et puis, il nous reste 40% de nos effectifs en production. Alors, des ingrédients, des arômes et des parfums, puisque nous avons trois sites de production à Genève. Donc, un petit zoom sur la recherche. Bon, comme je vous l'ai dit, sans recherche avancée, il n'y a pas de succès dans le FNF. Et la recherche avancée, c'est en général, avant qu'un produit touche le marché, il faut compter entre 6 et 10 ans. Ça veut dire que ce qui touche le marché aujourd'hui, c'est un pari qu'on a fait il y a 6 à 10 ans. Et les investissements qu'on fait aujourd'hui ne toucheront le marché qu'autour de 2025.
C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc la recherche est toujours un pari très important parce que à Genève, c'est la recherche avancée. Donc c'est notre premier centre de R&D, je l'ai dit. C'est un endroit qui concentre aussi 85% de nos brevets. Alors c'est très important parce que ça veut dire aussi que c'est ici qu'on invente les produits du futur. On a 65 docteurs en biochimie, chimie, sciences diverses et variées, sciences des matériaux en particulier. On a aussi des post-doctorants, bien entendu. Et puis, il y a une équipe qui a eu un jour le prix Nobel. Bon, on en est très fiers. Hein. Ça date un petit peu, je reconnais qu'un deuxième serait bon goût. J'ai demandé ça à notre directrice de la recherche. Mais bon, il y a une certaine difficulté à accepter ce pari pour 2020. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je ne suis pas scientifique moi-même, donc j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, ça veut dire que historiquement, depuis 1890, c'est ici que la recherche se passe et c'est ici que les grandes inventions, une grande partie de l'invention de notre industrie s'est faite. Alors pourquoi je dis une grande partie de l'invention ? Parce qu'une façon que j'ai de mesurer en quoi la recherche avancée a du succès, je mesure le nombre de publications dans les revues internationales scientifiques comparées à nos concurrents. J'aime bien cette petite métrique. Parce qu'il y a deux raisons pourquoi je mesure. Un, quand vous êtes un scientifique de pointe dans ces domaines-là, vous êtes attiré par quoi ? Vous êtes attiré par, fondamentalement, la capacité à publier dans une revue internationale. C'est quand même le nerf de la guerre dans le monde scientifique. Donc si vous dites Firmenich, c'est l'équipe qui publie le plus dans les revues internationales, c'est une façon d'attirer assez bien les meilleurs chercheurs, de Suisse et d'ailleurs. Et puis bien évidemment, il faut bien mesurer d'une façon ou d'une autre si le bon argent que vous mettez dans la recherche produit des fruits ou produira des fruits. Et ça, c'est aussi très important. Alors, l'entreprise Firmenich est en très grande partie à Genève. De toute son histoire, a au moins dépensé 10% de son revenu en recherche et développement. Il n'y a aucune année depuis qu'on mesure ça pour laquelle on a dépensé moins de 10% du chiffre d'affaires, y compris dans les années les plus difficiles. Vous savez que depuis 122 ans, on a traversé un certain nombre de tempêtes ou même des guerres. La crise la plus récente a été aussi très difficile. Je crois que ça a été bien montré avant. Mais même pendant ces années-là, il y a toujours eu 10% du chiffre d'affaires dépensé dans la recherche et développement, simplement parce que si on ne le faisait pas, on aurait 10 ans après un trou dans la raquette. Et ça, c'est juste pas possible. Donc ça représente à peu près 330 millions au dernier budget de frais de recherche et développement, qui pour notre entreprise n'est pas rien. Bon, on a 2000 brevets enregistrés, puis évidemment, on mesure les prix et les distinctions comme faisant partie de notre succès, les raisons pour lesquelles nous avons raison d'investir cet argent. On a aussi noté que certains de nos concurrents qui, dans les années difficiles, avaient réduit la part de la recherche dans leurs dépenses, se portaient un peu moins bien les 5 années suivantes. Donc c'est pour nous un engagement extrêmement important, et ça se fait en très grande partie à Genève. C'est depuis Genève qu'on pilote la redistribution de cet investissement sur l'ensemble du monde. Alors, les grands axes de recherche, c'est quoi ? C'est la recherche fondamentale historique, c'est la chimie organique chez nous. Hein, c'est la capacité de synthétiser des molécules qu'on trouve dans la nature. En général, c'est assez rare qu'on synthétise des molécules qui n'existent pas avant, mais on synthétise des molécules qui sont dans la nature. Puis on a progressivement introduit la partie biochimie dans ce savoir. Puis la biosynthèse, hein, il y a une dizaine d'années, nous avons investi et on a fait le pari de la biosynthèse, c'est-à-dire la synthèse d'éléments chimiques sans éléments, je dirais, artificiels ou sans éléments tirés, par exemple, des dérivés du pétrole. Donc on est vraiment sur l'imitation de la nature pure par des moyens bio. Et puis, ce qui est très fort en ce moment en termes d'investissement, je dirais dans le monde en général, mais dans notre industrie et chez nous, c'est les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est quoi ? C'est la capacité de comprendre comment les percepteurs interagissent avec le cerveau pour traduire en émotion une combinaison moléculaire. J'ai appris cette phrase par cœur, j'espère qu'elle vous impressionne. C'est fondamental et c'est très très important parce qu'on s'aperçoit que l'interprétation du cerveau, d'une odeur ou d'un goût, est presque aussi importante dans le système neuronal humain que la capacité à percevoir. Et ça a des implications immenses, immenses. On a fait ce pari il y a à peu près 10 ans, et on a beaucoup travaillé avec des universités dans le monde entier. On a beaucoup investi dans cette technologie. Et on a des applications dont je voudrais vous parler à titre très confidentiel aujourd'hui. Parce que c'est le nerf de la guerre des prochaines inventions concrètes, des prochaines innovations concrètes. Pas seulement dans le domaine du goût, hein, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur la capacité à faire recouvrir l'odorat ou la vue
par des moyens bio, pas seulement d'intelligence artificielle, pour des gens qui l'ont perdu. Et moi, je connais des gens qui n'ont pas, par exemple, le sens du goût. Je connais une personne qui n'a pas le sens du goût. Mais c'est extrêmement difficile à vivre quand on n'a pas le sens du goût. Hein? Alors, je ne parle pas de la vue, bien entendu. Donc, les sciences cognitives, et à Genève, on est très avancé sur ces sujets, les sciences cognitives, c'est la bataille qu'il faut gagner. Voilà. Alors, nous sommes pris depuis, je dirais, 5-6 ans dans les grands sujets de santé publique, qui sont évidemment très, très prégnants un peu partout. Vous savez qu'un gros sujet de santé publique, c'est le gras, le sel, le sucre. À tel point que certains pays ont commencé à fiscaliser les calories dans les boissons sucrées. Le Mexique a commencé il y a, je crois, à peu près 5 ans. Vous avez une taxe sur les boissons gazeuses sucrées. On ne citera pas de nom, bien sûr, de nos grands clients. Mais par contre, la demande qui nous est faite à nous, c'est comment vous arrivez à résoudre ce problème de santé publique sans altérer le goût ou la capacité des clients finaux à boire ces boissons sucrées. Et ça, c'est un défi qui est très important parce que c'est plus seulement du goût. C'est l'atténuation de la consommation de quelque chose qui est nuisible en grande quantité pour la santé sans altérer le goût. Vous voyez la différence d'approche. Et aujourd'hui, quand un client vient nous voir, il ne nous dit plus « je voudrais un bon arôme de fraise » dans mon exemple précédent. Il dit « je veux un bon arôme de fraise qui soit bon pour la santé, qui réduise les calories, et puis etc. » Donc ces combinaisons de bénéfices, c'est aujourd'hui les demandes auxquelles on peut répondre par justement cette capacité à comprendre comment le cerveau réagit dans l'interprétation des combinaisons de molécules, avec bien sûr le label naturel, etc. Donc on est assez avancé sur ces sujets, et l'année dernière, on a à peu près enlevé 100 000 tonnes de sucre dans les produits de nos concurrents. Alors 100 000 tonnes de sucre, ça peut paraître beaucoup, évidemment la consommation dans le monde est beaucoup plus grande que ça, c'est une petite proportion, mais c'est assez important. Donc c'est à peu près 500 milliards de calories, pour ceux qui mesurent en calories, et puis, puisqu'on est dans la consommation de CO2, c'est aussi beaucoup moins de camions sur les routes pour les transporter, etc. Donc il y a un phénomène en chaîne, et ça, c'est une bataille extrêmement importante. Tous nos concurrents sont dessus, bien sûr, hein, mais ça, c'est un pari sur la recherche qui a été fait à Genève, bien avant que le sujet devienne un sujet public et qui se traduise par des demandes de nos clients. Je vais vous parler d'une autre application qui, pour moi, est extrêmement importante. Alors, je vais vous parler de choses qui ne sont pas top. Hein, on va parler des mauvaises odeurs. Alors, pour une boîte de parfumerie, c'est étonnant de parler de mauvaises odeurs. Mais les sciences cognitives nous ont permis de réaliser que la combinaison de molécules permet, en rajoutant une molécule, de contrebalancer la perception des mauvaises odeurs par le cerveau. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, avant on avait des trucs qui donnaient des bonnes odeurs qui couvraient les mauvaises. Oui, mais vous aviez les bonnes et les mauvaises. Mais il y a un élément de santé publique fondamental. Et j'ai lu dans l'avion hier, en venant ici, il y a un article dans National Geographic qui parle de ce sujet. Dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes publiques. Alors bon, jusque-là, ça va à peu près, sauf que, en conséquence de quoi, ce qu'ils font dans la nature est de nature à polluer considérablement leur environnement, jusqu'au point où on voit émerger des maladies qu'on croyait éradiquées, qui sont liées à ça. On dit que tous les 90 secondes, il y a un enfant de moins de 5 ans qui meurt à cause de ça. C'est un sujet de santé publique qui est difficile à aborder, mais par exemple dans le monde, c'est un autre fait étonnant, il y a plus de gens qui ont un smartphone que de gens qui ont accès à des toilettes publiques propres. Vous vous rendez compte, c'est quand même hallucinant. Et donc, encore une fois, cet article est très bien parce qu'il donne un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas vous saouler avec tous ces chiffres. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a un élément de santé publique extrêmement important, qui est maintenant très connu, et dont s'est occupée la fondation Bill et Melinda Gates, il y a à peu près 5 ou 6 ans, a commencé un programme pour essayer de traiter les choses. Alors, ce qu'ils nous ont demandé à nous, ce n'est pas d'apporter de l'eau dans les toilettes publiques partout dans le monde, bien entendu. C'est de trouver un moyen pour contrebalancer les effets des mauvaises odeurs sur le fait que les gens, quand il y en a, ne veulent même pas y aller. Alors on est loin, encore une fois, de Chanel numéro 5, n'est-ce pas? Mais on est pris dans ces sujets. Encore une fois, grâce à cette recherche qu'on a fait dans les sciences cognitives, on est capable aujourd'hui, on a trouvé une solution qui neutralise les mauvaises odeurs les plus extrêmes, qui empêche les gens d'utiliser, quand ils en ont, des infrastructures de toilettes publiques. Et récemment, on a fini ce programme. Et avec la fondation Bill et Melinda Gates, dont vous voyez Bill Gates nous a visité, vous avez Patrick Firmenich à la gauche de l'écran, notre président, Gilbert Gostin, notre CEO de l'autre extrême, notre directrice de la recherche, et puis la personne qui est en charge de cette recherche, ils ont fini ce programme à la grande satisfaction de Bill et Melinda Gates.
la chose la plus importante, pourquoi je vous en parle aussi, c'est parce que Bill Gates a visité non seulement notre recherche, notre création, mais il a visité nos usines. Et la raison pour laquelle il est venu donner l'argent, participer à ce programme avec sa fondation, c'est qu'il a vu qu'entre la recherche avancée et la production du produit sur toute la chaîne, on avait tous ces équipements à Genève. Et donc il y a quand même une attraction de Genève de la part de ces gens-là qui quand même gèrent des milliards et des milliards et qui ont un choix extrêmement large de partenariats. Ils viennent quand même à Genève trouver une entreprise qui est capable à Genève de faire l'ensemble de la chaîne. Et vous voyez que cet investissement d'il y a 10 ans induit quand même des effets totalement non planifiés, mais qui ont un impact extrêmement important sur à la fois, bien sûr, la réputation de l'entreprise, mais aussi sur la direction que peut la recherche, que peut imprimer la recherche au développement futur. Vous imaginez bien, nous avons maintenant un tas de grands clients qui s'intéressent beaucoup à la gestion des mauvaises odeurs. Quelques chaînes de fast-food, quelques personnes qui sont spécialisées dans le traitement des sols, ou dans les produits pour WC. Vous voyez, toutes ces choses-là font que les investissements dans le développement durable, les paris qu'on prend sur la recherche, dans une chaîne de valeur qui est intégrée à Genève, génèrent un business qu'on n'avait même pas imaginé il y a 10 ans. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Personne n'a baillé jusqu'à présent, je risque de battre mon record. Alors maintenant, évidemment, on est dans un domaine où c'est pas de la pure science, il y a aussi de la perception. Finalement, notre business, c'est d'être de développer des programmes de recherche au service de l'émotion. Encore une fois, c'est mon image du peintre et du tableau. La difficulté ici, c'est que traduire en perception et en émotion des éléments de recherche ou de production, c'est un petit peu compliqué. Alors, je voudrais vous... Et je pense qu'il va falloir que je vous fasse un test pour voir si vous êtes vraiment concentré. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est ici très très important. Bon, la première chose, c'est que la définition de ce qui est naturel n'est absolument pas du tout évidente. Jusqu'à présent, on définit le naturel par rapport aux réglementations nationales. Or, il y a à peu près autant de définitions que de réglementations et autant de réglementations que de pays. Dans la chaîne des pays les plus flexibles, vous trouvez les États-Unis. C'est assez facile d'avoir le label naturel sur un jus d'orange. Et puis, à l'autre extrême de la chaîne, vous avez la Corée du Sud, pour laquelle, pour être naturel, il faut vraiment, vraiment presser le citron soi-même, hein, voire l'orange. Deuxième chose, c'est que si on devait penser naturel comme extraction de matière naturelle qu'on trouve dans la nature, alors on aurait vraiment de gros problèmes. Parce que si la consommation de l'ensemble de la planète était à peu près la même que celle qu'on a en Europe ou aux États-Unis, il faudrait 2,5 planètes pour avoir assez d'oranges, de citrons, de menthe, etc. Donc il est évident, et sans parler de la consommation de viande, on sait tous les dégâts que ferait la consommation de viande dans les mêmes proportions partout dans le monde. Donc on a un vrai problème sociétal de quel type de produits naturels on développe et quel type de synthèse des produits naturels on peut développer tout en conservant le label naturel. Troisième facteur, on est en train d'évoluer entre la notion de naturel vers la notion de sûr. C'est très simple, la nature a inventé les meilleurs poisons du monde. Et inversement, sous certaines conditions, la biochimie délivre des produits beaucoup plus sûrs que certains produits naturels. Donc la notion de naturel, pour des gens qui, par exemple, ont eu des scandales alimentaires, qui ont donné du lait empoisonné à leurs enfants, vous voyez bien que la notion de naturel et la notion de sûr, c'est pas exactement la même chose. Et on est en train de bouger vers la notion de sûr. Et donc, qu'est-ce qu'une entreprise comme nous peut développer comme technologie qui assure la sécurité alimentaire ou la sécurité, par exemple, de ce qu'on met sur la peau, hein, puisque les allergies se développent, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi sur la peau. Qu'est-ce qu'on peut développer comme proposition qui donne à l'ensemble des consommateurs la sécurité alimentaire et la sécurité des produits cosmétiques. Alors, c'est là maintenant que vous allez devoir faire un test. Le test est le suivant. Je vais vous donner la décomposition chimique d'un produit et vous allez me dire si, en le lisant, vous allez acheter ce produit ou pas. Alors, normalement, il y a trois catégories de gens. Il y a ceux qui veulent acheter, il y a ceux qui ne veulent pas acheter, puis ceux qui ne savent pas. Alors, j'ai vu récemment émerger une quatrième catégorie qui sait, de toute façon, je ne vais pas faire les courses, donc... C'est pas moi qui fais, mais disons que vous ferez les courses de temps en temps. Et donc, je voudrais vous demander si, en lisant ça sur le paquet, sachant que chaque composition est synthétisable. Vous voyez, il y a du sucre, c'est facile, il y a des aminoacides, il y a des acides gras, il y a des couleurs, il y a des saveurs. Est-ce qu'en lisant ça sur un paquet, vous allez l'acheter spontanément? Alors, ceux qui achètent spontanément, levez la main, s'il vous plaît. Bon, super. Moi, j'ai misérablement failli sur ce test, donc je serais content que quelques-uns d'entre vous faillissent aussi, ça me rassurerait. Qui est-ce qui ne l'achèterait pas? Voilà.
Et puis, qui sont ceux qui ne savent pas, vraiment? C'est la majorité, c'est normal. Bon, alors, ce produit décomposé chimiquement, c'est ça. Alors, moi, je ne voulais pas l'acheter, mais j'en mange tous les matins, donc j'ai une petite contradiction. Vous voyez, c'est la démonstration que la perception sur le naturel est très difficile à faire passer. Vous voyez, ici, on a une décomposition chimique assez simple, finalement. Et si je dois mettre sur une étiquette de banane ce que c'est, je suis dans une perception un peu biaisée. Voilà. Mais, évidemment, la réglementation dans certains pays, et heureusement, oblige à la description des compositions. Et on a toute une grande tendance dans le monde où les gens veulent le moins possible d'ingrédients. Tout ce qui est inutile, on sort. Et on est dans le pas de. Alors, pas de conservateur, pas de couleur. Donc on est dans le pas de. Donc on est en train de. Le monde est en train de bouger, pas seulement sur la sélection par la réglementation, mais la sélection des consommateurs par rapport à ce qu'ils perçoivent comme étant bon ou mauvais pour eux et leurs enfants. Et ça c'est une vague sur les 5 dernières années qui nous oblige à repenser un peu la façon dont on offre à nos clients les solutions. Bon, voilà pour la recherche, voilà pour les difficultés qu'on peut rencontrer, voilà les grands challenges. Revenons un petit peu à Genève et notre footprint industriel. Ah, un bâillement. Je mets une petite blague. On a 3 sites à Genève, historiquement. Le site historique de Firmenich, c'est la jonction. C'est à la jonction que les choses ont été créées, c'est là qu'on trouvait le prix Nobel sur le mur, c'est là que tous les CEO allaient jusqu'à une époque récente. Donc ça, c'est le site le plus important historiquement pour l'entreprise. On y trouve la recherche avancée, on y trouve la création de la parfumerie. Il y a un deuxième site qui est la plaine, c'est là où on développe les molécules les plus complexes dans notre monde. Hein, et cette usine avait été acquise dans les années 50, on l'a beaucoup développée. Et c'est une usine fondamentale parce que c'est à partir de là que rayonnent les productions d'ingrédients qui font les compositions ensuite. Et puis il y a le site de Mérin qui trouve son siège social, les arômes, une usine d'arômes et une usine parfumerie. Alors, on a récemment réinvesti à Genève dans l'usine de la parfumerie. Je vais revenir dessus. On a investi une très grande somme pour automatiser cette usine et augmenter la productivité. Donc le thème de la productivité, bien évidemment, est au cœur de notre sujet autour de Genève. Déménagement de la jonction vers Mérin est programmé. Vous avez vu, c'est dans la presse, c'est de notoriété publique. Le site a été vendu et nous allons réinvestir plus que évidemment, la somme que nous avons perçue à Mérin pour faire de 3 sites, 2 sites, encore une fois, dans une optimisation que Monica a déjà évoqué et qui est complètement notre état d'esprit aussi. Et puis, voilà, ce campus à Mérin va accueillir la recherche, la parfumerie. On va en profiter pour changer complètement la façon d'organiser l'espace, dans le même état d'esprit d'ailleurs que ce qui a été expliqué avant. Voilà. Alors, juste un mot sur l'usine qu'on appelle l'usine Léman. On a réinvesti dans cette usine parce que le coût de production à Genève, quand on parle d'industrie, est extrêmement élevé. Il n'y a aucune comparaison possible dans le monde. Le coût par kilo dans notre industrie à Genève est le plus élevé de l'ensemble des 30 usines que l'on a, mais facilement, très très au-dessus, je dirais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé. On est rentré dans des technologies, en particulier digitales, pour automatiser nos usines. Alors qu'est-ce qu'on appelle automatisation dans notre métier? C'est la quantité de pesée, c'est-à-dire quand on fait des mélanges et des compositions, on combine des choses, et quand elles sont pesées de façon électronique par des robots, c'est une automatisation. Voilà. Et donc on a 90% des fabrications qui sont automatisées. On a augmenté de 30% notre capacité de production. Et puis ça représente à peu près un quart de notre production de parfums mondiale qu'on fait à Genève. Et bien sûr, on a réduit la consommation d'énergie et la consommation d'eau. En parallèle, la demande de parfums pendant cette période de projet a augmenté. Notre croissance organique a été forte. Donc on a réussi à augmenter la productivité, à ne pas débaucher nos gens, et à augmenter la part que l'on fabrique à Genève de parfums pour exporter dans le monde. Et ça, c'était quand même un grand succès. On a fait ça en 3 ans. Et donc, la motivation principale, et vous savez que quand on est dans un système industriel, on ne discute jamais de qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de système industriel en termes d'investissement. On discute toujours de quel investissement faire pour augmenter la productivité et la capacité de l'entreprise. Donc, on est ce qu'on appelle le brownfield en bon franglais, plutôt qu'un greenfield. Et donc, notre étude a montré que c'est à Genève qu'on devait augmenter la productivité, évidemment, pour réduire le coût par kilo, qui est exporté ensuite à l'étranger.
Bon, le déménagement de la jonction, vous l'avez vu dans la presse, il y a un grand projet PAV ici à Genève. Donc on a été très sollicité pour y contribuer par nos partenaires officiels. Et on s'y est plié bien volontiers, d'autant qu'on avait envie de rationaliser un peu nos espaces à Genève. Donc on va réinvestir très fortement sur notre site. On aura un déménagement en 2019, donc vous imaginez cet immense projet. Un des sujets clés, évidemment, c'est de ne pas perturber nos chercheurs et nos parfumeurs, qui sont des gens émotionnels et importants. Donc il faut les gérer comme il se doit, pour qu'ils continuent à créer et à inventer sans perturbation psychologique extrême. Voilà, donc on s'y attache beaucoup. Voilà, donc on va réinvestir à minima 100 millions dans notre site de Mérin. Donc vous voyez, ça fait quand même deux gros investissements à faire. Et vous imaginez bien qu'avant d'investir 160 millions en si peu de temps, on a dû faire un certain nombre d'études qui ont montré que ça restait quand même très très important de continuer à développer nos affaires à partir de Genève. Je dis bien à partir de Genève, puisque ces fonctions-là ont vocation à exporter, ont vocation à inventer pour l'ensemble du monde. Voilà, je vous remercie de votre patience et puis j'accueillerai les questions quand ce sera prêt.